Continue Sainte-Thérèse d'Avila à la suite d'une lecture du Père Emmanuel Renaud qui s'appelle Sainte-Thérèse d'Avila et l'expérience mystique. Et je faisais donc connaissance de cette grande mystique et à travers elle, je me suis sentie interpellée. Il me semblait qu'elle détenait toutes les clés de tout ce qui composait mes recherches spirituelles. Après avoir consulté donc toutes les philosophies orientales et les diverses religions, là en réalité je trouvais à travers elle toute la poésie que j'aime et une quête d'absolu, en réalité l'accomplissement de mes propres aspirations et qui débouche sur un engagement à vie. Et cet engagement qui ont mené les saints jusqu'à une folie de Dieu qui en réalité